important d'aider l'enfant à faire le bilan de ses réussites pour qu'il prenne conscience et surtout l'aider à voir qu'il réussit, qu'il fait des progrès. Parfois, quand on est tout petit, on se fait souvent reprocher ce qu'on ne fait pas bien et on se fait souvent dire non. Donc maintenant, avec les enfants, dites-lui ce qu'il réussit, ce dont il a fait et ce qu'il a fait de bien. Faites-lui faire un bilan de sa journée. Qu'est-ce que tu as réussi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Et ainsi de suite, pour habiliter l'enfant, non pas à seulement voir ses échecs, voir les endroits où il a amélioré, parce qu'on en a beaucoup de ces endroits-là. On réalise souvent qu'on a beaucoup plus à améliorer qu'on réussit, surtout dans notre conditionnement et la façon d'éduquer les enfants. On leur fait remarquer souvent les endroits améliorés. Par contre, pour bâtir une estime de nous-mêmes solide, avoir confiance en nous, foncer et surtout être capable et avoir le désir d'avancer, ça prend une estime de soi très forte. Il faut avoir confiance dans nos capacités et en amenant l'enfant à prendre conscience de ses capacités, on l'aide et on forge sa personnalité et on lui dit et on lui démontre qu'il est capable. Donc cette semaine, pour la minute zen, développez les capacités de l'enfant, faites le bilan de vos réussites aussi.